Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, petite randonnée improvisée, hein, il fait beau. On peut voir ce ciel bleu. Regardez-moi ça les amis, magnifique soleil. Ce matin environ moins 2. On a prévu de faire environ, jusque la pause de ce midi, environ 10 km et naturellement le retour ensuite. Pareil, 10 km. Bon, petit casse-croûte dans un endroit où c'est qu'on a l'habitude d'aller. À l'étang. Je dis pas où c'est. Voilà. Donc, petite randonnée. Ça va être bien sympathique. À pied. Vous voyez bien, on n'est pas en vélo. J'ai la casquette. J'ai pas le casque. Donc, si vous voulez voir le paysage, je vais vous le montrer. Hein, ça change pas d'habitude. Des vignes, des vignes, des vignes. Là, aujourd'hui, il y a juste les filles qui ont des sacs à dos. On n'a pas prévu de se faire une grosse bouffe de malade non plus comme l'autre jour. L'autre jour, on avait emmené les côtes de porc, la grille et tout le bordel. On avait tous des sacs à dos. Là, il y a juste les filles. Ah, elles ont des petits sacs. Hein. Voilà, c'est pas chargé non plus. Légèrement à gauche. Ouais, ça doit être là. Tu regardes de toute façon avec ta... Donc, on utilise une application. Alors, c'est pas Visio Rando. Hein. C'est comment l'application ? Comment ? Loupi. Loupi. C'est une application, en fait, vous donnez en fait votre destination. Il y a des randos vélo, il y a des randos à pied. Votre destination, point de départ, point d'arrivée. Et ça vous propose différents itinéraires. Un itinéraire, on va dire randonnée, qu'ils appellent touristique. Et un autre qui est le plus rapide. Donc on a pris le touristique. Tout simplement parce que là on est sur de la route, mais on n'est pas sur une route qui est passagère non plus de ouf. Parce que là, plus rapide, elle passe vraiment sur une route qui est passagère et donc on n'a pas spécialement envie de voir des voitures passer sans arrêt. Sachant que là après on va passer sur des chemins, tout ça. Là c'est où on avait vu le serpent. Tu sais, la grosse couleuvre. Je sais pas si vous avez vu ce passage en vidéo. Je sais pas d'ailleurs si je l'ai publié ou pas d'ailleurs. Peut-être sur Facebook. Et là, il y avait une grosse couleuvre énorme. Énorme. Je vous remets tout de suite le passage. Donc les amis, regardez ça. Jolie couleuvre. Ici, là. Ici. Là, là. À côté du truc noir. Attends. On revenait de faire une randonnée et on arrivait de là-bas, on arrivait là et on devait tourner là et donc j'étais en train de faire la vidéo, je crois, quand mon regard s'est penché directement sur la palisse et tout en filmant le... parce qu'il y avait pas mal de déchets autour. Et c'est là que j'ai aperçu cette grosse couleuvre énorme. Énorme. Elle faisait, oh, je suis sûr, au moins 1,50 m, voire 2 mètres. Énorme. Vraiment, mais fallait vraiment la voir. Elle était vraiment camouflée dans le décor. Vraiment, vraiment très surprenant. L'année dernière, c'était là-bas. Où c'est qu'il y a les petits déchets qu'on voit là. Mamie fait la rando, papy est en voiture. Ah. Papy fait la randonnée en voiture. Bonjour. Bonjour. On est le 9 février, je crois, un truc comme ça. On est le 9 février, un truc comme ça, ouais, de toute façon. C'est 9 ou 10, hein, de toute façon. À quelque chose près. Ouais, on n'est pas une journée près. Voilà. Pour une fois que je sais la date qu'on est, putain, regardez-moi ce temps. Voilà. On est en train de préparer ces derniers jours des futurs projets. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Il va y avoir plein de nouvelles choses cette année. Bon les amis, encore sur la randonnée, hein, naturellement.
On en est à presque 5 km. On est presque à la moitié. Regardez-moi ce soleil. Oh putain, c'est re-éteint, c'est plus qu'on a d'application. Donc il reste 5,7 km. Voilà, on est à peu près à la moitié. Donc c'est bien. Il fait beau. Toi, il doit y avoir un élevage de volailles ou quelque chose comme ça là. Toi, ça c'est un bâtiment à volailles. Ou alors ça n'existe plus. Bon voilà les amis, bientôt rendu. Quand on sera arrivé, on sera environ 10 km. Voilà. Bon là, faut éviter de passer par-dessus le mur. Hein. Je vais vous montrer, il y a des bouts de verre. Mis dans le béton. Je pense que c'est des gens qui ont dû en avoir marre de certaines personnes qui pénétraient illégalement. Toi que tu fais qu'une fois, hein, je pense, hein. En fait, hein. Bon, normalement, derrière, c'est que des vignes. Mais bon, peut-être qu'avant. Voilà. Nous, c'est juste en bas. Bon, c'est un endroit qu'on a l'habitude de venir. Hein. En espérant qu'il n'y ait personne. Et que ce soit propre. C'est où j'ai l'habitude de venir pêcher. Et souvent de fois, bon, des fois il y a du monde. Et c'est surtout que c'est dégueulasse. J'avais déjà fait des vidéos coup de gueule là-bas. Donc on verra bien. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Donc les amis, on arrive. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou pas? Est-ce que c'est propre ou pas? Bah c'est ça là. Oh. Vous voyez les amis, regardez, je vous mens pas. Regardez. Regardez, on arrive juste hein. On arrive juste, hein. Donc, même si aujourd'hui j'ai emmené de la DSP, faut pas me dire que c'est moi qui ai emmené les DSP et le canapé, hein. Ah, tu vois, regarde, le bois. Le bois que j'avais planqué. Bah oui, non mais tu crois quoi? Ah oui, ils s'en sont servis, hein. Regarde, ils ont dû couper aussi, là. Il y en a du bois. Ils ont dû couper une branche. Ah bah sur une vidéo, j'avais balancé le bois pour le planquer ici. Et oui, puis
Les arbustes ont perdu leurs feuilles. Mais ils ont coupé ça d'où là? Mais c'est... Ah, je crois que c'était ici, là. Mais non, mais c'est un arbre qui a été arraché, ça. C'est... Ah non, attends, regarde, c'est une branche de là-haut qui est chète, sûrement. Putain, il est bas, hein. Là, il est bas par rapport à d'habitude. Hein. Et j'ai l'impression que la falaise a s'affaisse de plus en plus. C'est grignoté. Parce que regarde, là, il est bas. Et d'habitude, il est moins bas que ça. Et j'arrive à marcher là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Oh, il y a un truc de super. Donc, c'est dégueulasse. Regardez-moi ça. Mais ouais, là on commence à... Là j'ai jamais vu ça. Là les amis... Parce que là ce qui va se passer là... Moi je vous le mets dans le mille hein, les gars. Parce que bon, tu vas me dire c'est pas compliqué à... Voilà. Ça là, ça va finir à la flotte. Parce que les gars, ça c'est sûrement des branleurs de merde. Hein. Naturellement, c'est pas papy et mamie qui sont venus avec le canapé. Hein. Donc ils avaient ça chez eux. Et puis pour se dire, ben voilà, on va picoler, on va fumer des joints là. Poser là. Donc c'est sûr, c'est joli. Hein. Mais le problème, c'est que le propriétaire, à force, hein, il va en avoir marre. Et ça, ça m'étonnerait que ce soit lui qui l'évacue, hein, le propriétaire. Mais s'il l'évacue, arrive un moment, ça va être fermé ici. Hein. Ça, faut s'y attendre. Donc, les avions. Ah. Oui, c'est des plans amorceurs. Ouais. Ouais, je garde. Ouais. Ah, ça me fait chier parce que j'avais quand même coupé pas mal de bois que j'avais balancé là-dedans. Puis là c'était, ça se voyait pas du tout. Donc j'avais dit bon bah ça se verra pas. Et puis bah vu que c'est pas des persistants, bah c'est dommage. Ça devient vraiment. Il y a des bouteilles de partout. C'est là des bouteilles de Smirnoff. Des papiers lus. Enfin bon. C'est vraiment lamentable. Il y aura la télé, le même télé. Ouais, non mais. C'est pour ça, moi je vous dis, le problème c'est ça, c'est que c'est, j'ai même plus de mots quoi, en fait, quoi. J'ai même plus de mots. L'autre jour ici, là, on avait ramassé dans cette zone-là, c'était dans cette zone-là à peu près, hein. C'était pas ce feu-là, c'était vers là. Bon les amis, à l'apéro, j'ai emmené un fuet catalan et j'ai un petit chorizo. J'ai également ramené mon filtre à eau. Si jamais il y a besoin de filtrer de l'eau, je crois qu'il y en a un petit peu là. Donc les amis, hein, pour les rageux qui voudraient commencer à critiquer, dire oui, c'est toi, Passion Campagne, qui a ramené le canapé, c'est toi. Vu que toi, aujourd'hui, exceptionnellement, toi, j'ai des DSP. Parce que ce matin, je suis passé au magasin. Et elles étaient en promo. Toi, je te raconte ma vie.
Mais toi, j'en ai acheté. Mais tu vois, moi, j'ai des sacs poubelles. Moi, tu peux regarder. Hein. Derrière moi, il n'y a jamais un déchet. Même l'autre jour, on était en randonnée, on a ramassé des canettes des autres. Donc là, on va pas ramasser toutes les canettes des autres parce que moi, je suis venu avec un petit sac poubelle. J'en ai trois comme ça. Mais ils sont fins, ils sont légers. Donc, je vais pas pouvoir stocker toute la merde des autres. C'est pas possible. Regardez, les amis, la poubelle. Puis moi, c'est des limes. Et ça, c'est des... Ça, c'est des originales. Donc, toi, c'est même pas du tout les mêmes. Oh là, ça va faire contrepoids, là. Casser la gueule. Bon, les amis. Non, c'est bon. À la vôtre. Toi, t'es pas obligé de trinquer, comme à chaque fois. Ah. Allez, là. Mais t'avais bu? Bah non, je t'attendais. Ah. Ils auraient fait des bancs en bois. Ça aurait été plus utile. Quand tu es chez toi, à la limite, d'accord, mais les gens, ils sont pas chez eux. Tu sais pas qui a posé ça. Non, mais le problème, c'est que tu as quelqu'un d'autre qui va venir et qui va sûrement le balancer à l'eau. Parce que tu as toujours des grands malins. Après, ils diront, ah ben oui, on peut plus y aller. Ah ben oui, mais forcément, tu ramasserais tes canettes, tu foutrais pas ta merde et tout ça. Bon, les amis, pour ce midi, c'est simple, hein. Vu qu'on est quand même encore en hiver, on a dit on va emmener de la soupe. Là, t'avais emmené mon cas ? Ah bah non, tu mangeras pas de soupe, toi. Bah, c'est ça. C'est où ta copette là-bas ? Je sais pas ce que papa en a fait. Normalement, il avait emmené la mienne, il a dit qu'il restait que celle de vous deux. Là. Donc, j'ai ramené la soupe que j'avais achetée il y a déjà pas mal de temps. À Action. C'est vrai qu'elle était bonne, cette soupe. Donc j'ai ramené ça. Bon, j'ai des soupes lyophilisées, hein, j'aurais très bien pu ramener ça. Voyez les amis, les déchets, regardez, c'est pas compliqué. T'as gaugé ? Oui. Ben oui, ben, ce que je viens de voir, oui. Bon, filtre de l'eau aussi pour le départ, tout à l'heure. Parce qu'on a pris de l'eau, mais bon, vu que je savais que on venait là, qu'il y avait de l'eau, j'allais pas m'encombrer avec 25 litres d'eau, sachant qu'on venait là. Filtre à eau de Catadine. Donc en filtre à eau, j'ai celui-là de Catadine qui filtre jusqu'à, je crois que c'est 800 litres d'eau. Et j'ai également le mini soyeur. Le Catadine est bien, il est rapide, mais il y a un truc qu'il faut faire attention, c'est bien le nettoyer. Pour prolonger sa durée de vie. Et surtout, ce qu'on n'a pas fait, ce que je fais d'habitude, je laisse toujours un peu d'eau dedans et je lui mets la tête à l'envers. Parce que les fibres qui sont à l'intérieur, comme ça, sont toujours humides. Et ça filtre toujours plus vite. Parce que là, ça commence à aller mieux, mais c'est pas ça. Pourtant, c'est un filtre qui va très très vite. Ouais, petite soupe, les amis. Voilà. Bon, la soupe est prête. Hein. Je sais pas si elle va manquer de sel ou pas. Non, on manque pas de sel. Par contre, elle est super chaude. Parce que ça, faut avoir. Putain, Seigneur, comment elle est chaude. Puis alors, moi, j'ai fait chauffer jusqu'à temps que ça boue. Je vais m'asseoir, moi. Je vais aller m'asseoir. Non, mais toi, j'ai bien l'impression que là. Parce que regarde, moi, je marchais là-bas. Et tu vois. En fait, ça s'est érodé encore. Très bien, ce petit paravent là. J'avais acheté ça sur AliExpress.
c'est vraiment super bien. Ouais, c'est léger. Tu peux le démonter et prendre la quantité que tu veux au niveau du nombre de panneaux. Ben nous, ce qu'on a fait, on a pris notre housse parce que la housse d'origine, c'était vraiment très léger et c'était de la merde. Bon, les amis, aujourd'hui, hein, c'est très simple. Rillettes. On a du jambon de pays italien. Et après, on a du fromage. Voilà. On fait simple aujourd'hui, hein. Ah, il y a de tout, hein, comme casse-croûte, hein, sur la chaîne de Passion Campagne. On n'est pas bien, là, maman? À bouffer comme des clochards par terre? On bouffe par terre comme des clochards. On randonne minimaliste, avec un canapé sur le dos. Non, mais là, ça va être moins lourd. Il y a juste la poubelle qu'il va falloir garder jusqu'au village. Village, on mettra dans les poubelles. Ça, on va couper là. On va couper à travers. Dans les vignes, là. Ouais, un peu plus loin. Mais le sac poubelle, parce que tellement il est fragile, il faut le mettre dans un sac. Parce qu'autrement, il va défoncer, ça va en mettre de partout. Il faut le mettre dans un sac. Ah ouais, ouais. Regarde. Non, non, il est trop fin. Regarde là. Bon, ça va. Ouais. Non, non. Non, non, faut mettre ça dans un sac. Il y a d'autres déchets à mettre à la poubelle? Non. Non. Voyez, les amis? D'accord? Donc, tous nos déchets sont dedans. Donc, les amis, ça y est, on a fini de manger. Donc, on est sur le départ. Donc, regardez où c'est qu'on a mangé. Vous me dites, hein, si vous voyez des déchets, hein, par terre. Hein. C'est important de me le dire, hein, parce que voilà. Voilà. Bon. À la place du sac, hein. On peut voir. Ah, ben, il n'y a pas de déchets. Ah, ben oui. Eh oui. Ben non, parce que je ramène mes déchets, moi. Vous voyez, je suis venu avec ma bouffe et mes bières. Donc, je les ramène. Donc, même si je bois de la DSP, on peut voir que moi, c'est la lime et que ça, c'est de l'original. Donc ça, c'est pas moi, ça. Voilà. Donc moi, je suis pas venu avec un gros sac poubelle de malade non plus. Donc je ramène mes déchets, tout simplement. Voilà. Pour les personnes qui s'amuseraient à vouloir dire que c'est moi avec mes bières ou n'importe quoi. Ah non. Tout ça, ça y était pareil quand on arrivait. Voilà. Moi, derrière moi, il n'y a aucune trace de mon passage. Voilà. Bon, allez, les amis, on est reparti. Bon, lui, le canapé, on le laisse là. Ouais, il rentre pas sur mon dos. Voilà. De toute façon, nous, là, on est jeudi. Samedi, on va revenir. Bon, allez, on remonte, direction le bourg. Bon, allez, les amis, je vous reprends plus tard. On vient de bien marcher, on vient de faire 6 km. Bon, on va s'hydrater. Il nous reste 3-4 km encore avant d'arriver. Donc ça, c'est les bouteilles qu'on accroche au sac à dos. Comme ça, le temps qu'on marche, on a de l'eau. Bon, voilà, les amis. Il nous reste 5 km, on a fini. Donc, petite randonnée agréable, on a bien marché. Santo, on a marché encore plus vite que ce matin. Le temps, regardez-moi ça. Magnifique temps. Voilà, ciel bleu. Comme mon t-shirt, super beau temps, ça c'est vraiment agréable. En cette saison là, en ce moment là, pour là, on a un début de saison là, c'est impressionnant les températures.
ça donne vraiment envie de prendre les sacs à dos, prendre les vélos, se barrer dans la Verte. On a bien mangé ce midi aussi. Seul petit bémol, bah, la pollution qu'on peut trouver partout. Encore tout à l'heure, dans un fossé, il y avait plein de détritus. Enfin bon, ça c'est la mentalité des gens. Enfin bon, voilà. Maman, qu'est-ce que tu peux dire ? J'en ai marre. Ah. C'était bien ? Ouais. Est-ce que ça pique ? Oui, ça pique. Donc voilà. Si t'as aimé cette petite vidéo, toute simple, hein, 20 bornes. Hein. 20 bornes, donc... c'est bien. Voilà, je rappelle qu'on note toutes nos randos sur un papier. Et fin d'année, on débrief dessus. Comme ça, on voit à peu près d'une année à l'autre combien on a fait de kilomètres à peu près. Ça n'a rien de compétitif ou quoi que ce soit, c'est juste pour nous. Voilà, qu'on se dise, ah, bah tu vois, on a fait plus de randonnées là en vélo que l'année dernière avant. Ou... Donc voilà. Comme ça, après, on peut se mettre à la limite des objectifs et puis se dire, on va essayer de faire plus. Voilà. Donc, si tu as aimé cette petite vidéo, comme d'habitude, le pouce bleu, l'abonnement. Ça me permet de savoir un peu les vidéos que vous aimez. N'hésitez pas, c'est pareil dans les commentaires, à venir discuter. Je réponds à tous les messages. Voilà. Bah sur ce, salut, à la prochaine. Salut !